Allô? C'est Frank West, le sauveur de Willamette? Oui, mais on m'appelle aussi Trou du cul ou Frank qui? Moi, c'est Paula, comme dans l'évangile des zombies, selon Paula. C'est mon podcast sur les zombies. Darcy m'a filé votre numéro. Oh, d'accord. Donc, il paraît que tu as quelque chose pour moi. Ouais. Retrouvez-moi au service des archives de la mairie. La porte est derrière. Venez seul, Frank. D'accord? Bon sang, les fans sont dérangés. Hé hey, vous, venez, j'ai besoin d'un coup de main. Il doit y avoir un million de zombies là dehors, et je vais devoir leur rouler dessus. Vous pouvez m'aider? À faire quoi? On va se montrer créatif. Vous pouvez prendre ce plan? Allez, assemblons ce petit bijou. Allez, monstre! Waouh! Vous avez jamais fait ça, pas vrai? Ah, j'ai pris mécanique juste pour rencontrer des filles. Bon, je crois que je m'en tirerai mieux toute seule. Allez, tentez votre chance. Merci. Pas grave. Je vais vous ouvrir la porte. Autant aller à la mairie avec classe. J'ai vu une abeille qui allait piquer! Pas la peine de me remercier! Les gars d'Obscurus étaient bien là, mais ils sont partis en quatrième vitesse. Bon, Paula dit que la porte est derrière. Montre-moi comment tu voles! La copine de Darcy, qu'est-ce qui se passe ici? Je suis son éditrice. Et c'était un grand avant-poste d'Obscurus, il y a encore 40 minutes. Une minute? T'es Paula? T'avais pas du tout la même voix à la radio. Ah ouais, c'est mon personnage. Ton personnage? Ouais, j'ai réalisé que personne ne m'écoute si je hurle pas tout le temps. En plus, c'est assez amusant. Bon, si vous êtes prêt à m'écouter, vous devriez peut-être fouiller pour voir ce qu'Obscurus fichait ici. Ok, je vais faire ça. Merci. On voit que dalle là-dedans. Voilà qui est intéressant. Au loin. Voiture renversée, voiture sur le toit, t'as une idée de ce que c'est? Une piste de dégâts. Et Obscurus la suivait. Thank you.
D'après ça, ils ont un avant-poste de reconnaissance en haut du drugstore de Dodd. Et ils font la reconnaissance de quoi, au juste? Obscurus a fouillé ses classeurs à tiroirs, on dirait. Les archives des égouts et de l'assainissement ont disparu. Les égouts descendent très profond. Qui sait ce qui rôde là-dessous? Ils cherchent quelque chose de très dangereux. Tu sais quoi sur cet avant-poste au Dodd's Drugs? Il y a un sniper posté là-bas depuis des semaines. Ok, je vais aller voir ça. Bonne idée. Je dois vous dire, les 512 abonnés de mon podcast vont sauter au plafond en apprenant qu'on travaille ensemble. Ouais, je les comprends. À plus tard. Salut, Brad. Nos amis mercenaires se font appeler Obscurus. Ces types changent souvent de nom entre deux opérations, mais je vais me renseigner. En parlant d'opérations, ils doivent mener une chasse à l'homme. En tout cas, ils traquent quelque chose. Soyez vigilants. Entendu. Voilà le Dodd's Drugs. L'avant-poste doit se trouver au deuxième étage. Il reste plus qu'à l'atteindre. Bordel! C'est des zombies qui ont fait ça? Fox-30 en approche, cible repérée. La capture devrait être facile. Ne le regardez pas dans les yeux si ça vous pose problème. Ce n'est qu'une cible, compris? Content d'apprendre que ça roule pour vous, Fox-30. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Je devrais y arriver. Bordel! Ça peut pas être l'œuvre d'un zombie! Et moi, j'espère. J'ai un peu de mal à identifier le sujet. Vers la sécurité.
Du tranquillisant pour le gros gibier. Certaines boîtes sont vides. Je sais pas ce qu'ils chassent, mais ça les chasse aussi. On dirait qu'ils affrontent quelque chose. Je me demande s'il y a moyen de les écouter. Ma prochaine destination. Salut, c'est Paula. Pendant que tu y es, j'ai besoin que tu vérifies quelques histoires pour le podcast. Si jamais je passe pas loin. Je t'envoie ce que j'ai. Lance-toi, poutre, Franck. Va chercher l'histoire. Trouve la vérité. Je t'appelle plus tard. C'était un méchant. Merde. Aucun homme d'Obscurus ici. Quelque chose a dû les faire fuir. Mais ils sont partis où? Voyons ce que contient cette caisse. C'est un... Alors, Franck, es-tu assez responsable pour utiliser ça? On s'en fout. C'est censé être un point de repli pour les troupes d'Obscurus. Alors, qui a amené tous ces zombies ? L'appartement du drugstore, la caserne de pompiers et la casse.
quelque chose lui a dévoré la figure et l'a pendu là. Oh, oh ouais! D'après ça, plus de 100 soldats ont péri en chassant cette chose. Putain. Il faut que j'aille à la casse. Quoi que soit cette chose, elle a une sérieuse dent contre Obscurus. J'allais justement t'appeler. Chut! La casse grouille de soldats d'Obscurus. Ouais, je m'apprêtais à... Hé, hey, tu pourrais pas rester ici pour me couvrir? Ouais, entendu. Je couvre vos arrières. Super. Vacances annuelles, je ferai pas de penser. Y'a quelqu'un? Prenez position. Manque de sommeil. Il y a quelque chose. Je vais le trouver. J'ai vu un truc juste là. Thank you.
c'est donc ça qu'on sent de l'autre côté des menottes. C'est moi, Frank West. Bien reçu, bientôt sur place. Bon, soyez brève. Un groupe armé vous a attaqué hier. Deux de vos hommes sont tombés. En effet, un homme et une femme. 10 ans de bon et loyaux services. Je sais tout sur le prochain raid. Je sais combien ils seront, je connais le nom de leur chef. Je sais où ils planquent leurs vivres. Avec ces informations, vous pourriez empêcher un tas de morts inutiles. Que voulez-vous ? 30 minutes, en privé. Mais qu'est-ce que tu fous, Vic ? Commandant, j'ai surpris ce civil en train de manipuler l'un de nos ordinateurs. Darcy ? Enfermez-le, offrez-lui un repas et une douche, il sent le putois. À vos ordres. Alors, mademoiselle Chu, posez vos questions. Lieutenant, elle vient avec nous. Dans quoi t'es en train de te fourrer, Vic ? Monsieur West ! Dommage que vous ne soyez pas aussi utile que votre ami. Descendez-le. Oh merde. Ah ! Alors comme ça, on vous laissera ses lèvres. Du calme ! On peut parler, non ? Il doit y avoir moyen de s'arranger ! Pouvoir me voler le scoop en faisant ami-ami avec cet arrêt. Frank, par ici. Non. Ces ordures ont capturé Darcy. T'as vu de quel côté ils sont partis ? Westridge, je crois. Vous allez les pourchasser ? Sauver Darcy ? Peut-être pas intentionnellement. Ok, je vais essayer de découvrir où ils allaient. Allez-y, je vous appelle quand j'ai du nouveau. J'en ai ma claque de ces pseudo-journalistes. Concentré sur ce qui se passe ici. Brad. Obscuris traque quelque chose. Je pense sérieusement que c'est un monstre zombie particulièrement horrible. Un monstre ? Vous êtes sérieux ? Ouais. Je crois que c'est ce qui a attaqué la galerie marchande. Je vais à Westridge pour le pister. À plus tard. Attendez, Frank, dites-moi. Allô, Paula ? Frank ! Obscuris a tendu un piège au barrage. Ils vont le capturer là-bas. Vraiment ? Ah bah faut que je vois ça. À plus tard. Aidez-moi, attendez, Franck. Ok, ça me paraît plutôt logique. Merde. Je les ai perdus. Ah, bon sang. Où est-ce que... Voilà.
pute. Chiotte. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Que venez-vous faire ici? Quoi? Qu'est-ce que vous foutez ici, l'artiste? Non mais ça veut dire quoi, votre question? Qu'est-ce que je fais ici? Ces pecnos m'ont drogué et traîné jusqu'ici, j'avais rien demandé. Vous êtes photographe? Ouais, je bosse pour National Geographic. On m'a envoyé photographier la vermine qui sévit dans le coin. Et bingo, je vous ai trouvé. Super. Deux. Pas de vivres, mais il nous envoie deux foutus journalistes. Oh là, attendez. Vic, elle était là? C'est votre collègue? Pas vraiment, mais... je suis un peu son professeur. Vous avez de l'influence sur elle? En théorie, oui. Écoutez, il n'y a que des citoyens bons et honnêtes, ici. Avant ça, j'étais fermier. Les autres, plombiers, commissaires-priseurs, bouchers... À présent, on est soldats, Franck. Le monde n'est plus le même. Pour rester à Willamette, et prendre de belles photos, vous devrez devenir soldat, vous aussi. Mon soldat. Cette salope de Vic. Je l'ai recrutée. J'ai partagé nos ressources avec elle. Et ça a été des questions à l'appel. Elle voulait tout savoir de nos raids contre ces salons de militaires. Quoi, où, combien d'armes on emportait. Je la croyais de notre côté. Du coup, mes gars se retrouvent là-bas, coincés dans une putain d'embuscade parce qu'ils savaient qu'on arrivait. Ok, je saisis le problème. Je vais m'occuper de Vic, d'accord? Mais j'aurai besoin d'un service en échange. Comme tout le monde. Je dois entrer dans ce barrage. Ah. Non, écoutez. Ces types, ils manigancent quelque chose. Je dois découvrir de quoi il s'agit. Mmh. Ouais. Franck. La seule qui saurait comment entrer dans ce barrage, c'est Amande, mon ingénieure. Elle était en charge du raid. Celui pour lequel votre copine nous a poignardé dans le dos. Écoutez. Je suis votre meilleure chance, ok? Laissez-moi aller m'occuper de ça. Je sais pas. Bon, ok. Ok. Mais, hé, vous avez pas intérêt à merder, West. Vous êtes des nôtres, maintenant. Mettez-le au parfum. West! Par ici, faut qu'on parle. J'écoute, c'est quoi l'histoire? Amand a emmené quelques gars au collège de Willamette. Obscuris les a coincés. Y a pas eu encore d'échange de tirs, mais ça ne saurait tarder. Je pige pas. Pourquoi prendre le risque de vous attaquer à eux? Vous avez pas d'autre moyen de vous ravitailler? Tom veut faire passer un message. C'est l'impression que j'avais. Écoutez, Amand est compétente, mais elle tiendra pas longtemps. Vous devriez vous dépêcher. Autrement, c'est de vous que Tom s'occupera ensuite. Compris? Ok, je fonce au collège de Willamette. Tom peut aller s'occuper d'autre chose. Ah, mais qu'est-ce que vous foutez? Franck, j'essaie de vous contacter depuis des heures. Bola? Je suis toujours sans nouvelles de Darcy. Et s'il le torturait pour obtenir des informations? Pourquoi? Il sait quelque chose? Je suis votre ronde. Écoutez, j'ai un autre problème à régler, là. Je vous rappelle plus tard. On dirait que quelqu'un a ouvert le feu. Tiens bon, l'ingénieur, j'ai besoin de toi. Venez, il faut aider les autres. Vous avez un nom? Frank West. Photojournaliste. Ah, j'aurais dû deviner. Bon, maniez-vous. Les gars, bon sang, Franck. Ces gars ont besoin de soins. Vous pouvez tenir Obscuris à distance?
Pas de problème. Prenez-vous pour Florence Nightingale, je serai Rambo. Et quand ça sera fini, on pourra échanger. Vous préférez pas que je vous sois juste redevable ? Je me mets à l'abri. On a ordre de les éliminer. Oh merde, ils arrivent. Journaliste, inventeur. D'autres ennemis, à 12h, enfin je crois. Merci. Ouais. Faut absolument bander ça. Très bien. Vous savez vous débrouiller. Ouais, j'ai déjà couvert quelques guerres. Ah bon ? Lesquelles ? Ben, en fait, Tom m'a dit que vous aviez accès au barrage. Ah, Tom, ouais. Ouais. Les clés de la ville. Sur le côté du barrage, il y a une porte de service. Ça devrait marcher. Vous aviez les clés de la ville ? Avant que tout parte en couille, j'étais ingénieur en chef de la ville. Je connais ce patelin presque comme ma poche. Oh. Et vous allez me les donner comme ça ? Ouais, j'ai parlé à Vic. Elle dit que vous avez vu la première épidémie. Ouais, je l'ai vue de près. Elle vous a dit autre chose ? Ouais, elle en avait à dire sur vous. Je vois. Changeons de sujet. Oh ouais, attendez ! Mes gars sont blessés, il faut les ramener auprès de Tom. Ah, désolé de rien pouvoir faire. J'ai des choses à régler. Oh. C'est vraiment un enfoiré. J'ai été pris dans une histoire. Tom Picton, vous connaissez ? Un éleveur de vaches du coin, il mène la résistance. Quelqu'un de son groupe, Hammond, va m'aider à entrer dans le barrage où Obscurus a tendu un piège au monstre. Intéressant. Je vais surveiller leur canot radio. Pour voir ce qui se passe. Ça m'aiderait grandement, Brad, merci. Franck, je viens d'obtenir des résultats d'analyse. Cette épidémie résiste au vaccin. Et aux Ombrex. Bordel. C'est une nouvelle souche ? Une ancienne. Celle de Santa Cabeza. Alors vous faites pas mort. C'était pas dans mes intentions. Allez. Voyons quelle preuve il cache là-dedans.
quelqu'un? Qui est là? Je vous vois pas, là. Il y a une lampe dans le coin. Allumez! Ouais, mon calepin. Celle-ci, je la mets de côté. Hey, Darcy, comment ça va? Tu serais pas dans le pétrin, là? Vous êtes venu me sauver? Vous êtes vraiment le sauveur de Willamette? Vous avez inventé ça avec Paula ou il y a un culte que je dois diriger quelque part? Ah non. Les gars d'Obscurus paniquent à cause du monstre. Ils doivent savoir un truc sur lui. Un truc que nous, on ignore. Ouais, tu vois, c'est un sous-traitant de l'armée avec des fonds importants, alors que toi, t'écris pour le blog de ta copine. Et il doit y avoir quelque chose d'utile ici. C'est une salle de briefing, je crois. Détachez-moi! Non, contente-toi de reprendre des forces. Je m'occupe de ça. Ça dit qu'il le chasse depuis... Ça date d'avant le début de l'épidémie. Oh, bordel! Je parie qu'ils l'ont créé. Dans un laboratoire secret! Une demande d'envoi d'exosquelettes supplémentaires à Willamette. Pour le combat à l'arme lourde? Ce monstre est trop rapide, il est trop fort pour les armes normales. Oh ouais. Calder, c'est quoi, un acronyme, un projet, un nom? Je sais pas trop, mais ça les terrifie. C'est la chose qui a tué leurs hommes. Et elle a pas fini. Et ils se déplacent dans les égouts, alors ils l'ont attiré ici pour le capturer. Je peux vous montrer où? Détachez-moi, vite! On ira ensemble! Merde, c'était quoi, ça? Le monstre? Franck! Allez, faites-moi sortir de là! Reste tranquille, Darcy. Tu seras en sécurité, ici. J'espère. Quoi? Mais non, allez, vous pouvez pas me laisser là! Oh! Arrêtez, quoi! J'ai encore jamais interviewé de monstre. Ce sera une sacrée exclusivité.
Génial. Voilà enfin quelque chose à se mettre sous la dent. Ok. Étudions ça de plus près. Bordel, qu'est-ce que c'était? Et qu'est-ce qu'il y a dans ces contes?
Bolton, j'ai appris que les Obscuristes pourchassaient quelque chose. Et quoi que ce soit au bout du compte, ils sont devenus des proies. En parlant de trucs bizarres, Vic manigance quelque chose. Je l'ai vu négocier avec des survivants en échange d'une exclue avec le commandant des Obscuristes. Elle est complètement starbée. Mais pas autant que ce désaxé de Tom Picton, il gagne haut la main. Un producteur de lait reconverti en tyran. Ouais, on est super potes. Hammond, son ingénieur, m'a donné une clé pour le barrage. C'est là que les Obscuristes sont attirés, ce truc. Elle a l'air sympa. On est super potes. J'ai rattrapé les Obscuristes juste à temps pour les voir embarquer ce Calder. Quel que soit ce machin. Je me lance donc à leur poursuite pour voir l'homme ou la chose qu'ils appellent Calder. Et savoir ce qui motive Obscuristes à mettre la main dessus. Obscuristes a capturé le monstre. Ils vont le déplacer en camion. Je vais les suivre. Je vous branche sur leur canal radio. Ça devrait vous faciliter la tâche. Il y a autre chose. Le monstre pourrait bien s'appeler Calder. Un nom d'homme plutôt que celui d'un monstre. Je vais me renseigner. Quelqu'un attaque le convoi. Vous savez qui ? Non. Peut-être les hommes de Tom. Très courageux pour une bande de fermiers.